Nous avons plusieurs observateurs avisés de ce type de procédure ont pu constater un certain nombre de problèmes, d'incidents dans cette procédure. Une procédure de privatisation doit respecter des règles de transparence, de mise en concurrence et de protection des intérêts patrimoniaux de l'État. Elle doit assurer l'égalité des concurrents et faire en sorte que les intérêts, j'allais dire, partisans ou privés ne prennent pas le pas sur l'intérêt général, public et patrimonial de l'État. Alors là, il y a une multiplication d'incidents. Lagardère n'était pas dans la shortlist. D'un seul coup, il a réapparu dans la shortlist. Il y a eu beaucoup d'incidents. C'est un peu une sorte de cession gré à gré d'un joyau juteux de l'État à un des amis très proches du pouvoir, déguisé sous une fausse procédure. Donc nous sommes en face, d'une certaine manière, d'une session entre amis. Ouais, parce que Stéphane Courbit, il faut le préciser, était l'un des convives du Fouquet's. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les quelques amis et clients du pouvoir se servent dans la caisse de l'intérêt général. Et cette affaire semble démontrer des manipulations, je pèse mes mots, de la procédure de privatisation pour favoriser, donc il y a à l'évidence des éléments de favoritisme sur le plan de la procédure de privatisation des intérêts privés, et notamment ceux de M. Courbit, proche du pouvoir. Si je parle de capitalisme de connivence ou de capitalisme de la barbichette, vous me suivez? Ah mais non, il faut aller beaucoup plus loin, c'est les copains et les coquins de l'époque où l'État, finalement, était entre les mains d'un clan. C'est le clanisme de l'argent public et des biens publics. Donc là, c'est très grave, parce que le non-respect des règles est maintenant une sorte de règle, presque de loi implicite qu'on retrouve au sommet du pouvoir. Beaucoup d'observateurs ont dénoncé ces abus de droit. Et de plus en plus, maintenant, les juridictions suprêmes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui pourtant ne sont pas peuplés de bolcheviques, font respecter l'état de droit. Et nous voyons se multiplier les annulations, les interdictions. C'est un problème dans notre pays qu'aujourd'hui l'état de droit soit systématiquement piétiné. Parce qu'on a une multiplication dans ce capitalisme du Fouquet's d'entorses de ce type. Il y a eu l'affaire Pérol, alors qu'il avait exercé l'autorité publique sur cette entreprise, les caisses d'épargne y est passée. Il y a eu l'affaire Stéphane Richard, autre proche de Nicolas Sarkozy, qui est numéro 2 de France Télécom. Et voilà, l'affaire Courbit émaillée de procédures. Voilà. Alors, pour nous, la question qui se pose, c'est jusqu'à quand va-t-on laisser faire cela? Donc notre préoccupation est peut-être d'examiner les conditions d'une saisine de la justice pour faire cesser ces méthodes de brigands, parce que c'est du brigandage politique. On ne peut pas se servir dans ce qui appartient à tous. On doit au minimum respecter les lois. Et il serait utile que le gouvernement soit rappelé à l'ordre par la juridiction qui est chargée de le contrôler, qui est le Conseil d'État. Et la saisine, comment concrètement peut-elle s'opérer? C'est une commission? Un décret en Conseil d'État, pardon, un décret peut être attaqué devant le Conseil d'État et peut être annulé par le Conseil d'État. Donc le décret de privatisation peut faire l'objet parfaitement d'un recours contentieux. Alors dans cette histoire et dans l'enquête que j'ai menée, j'ai eu l'information qu'Alain Minc, qui a conseillé Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine, dit-on, de l'idée de la fin de la publicité sur France Télévisions, donc du coup de la privatisation, non seulement a conseillé Nicolas Sarkozy, mais par ailleurs est le conseil de Stéphane Courbit. Et donc j'ai interrogé Stéphane Courbit, et Stéphane Courbit me répond par écrit: non, il n'y a pas eu de plan de stock option en faveur d'Alain Minc, ce qui est l'information que j'ai obtenue, mais au moins il valide l'information en disant: il est vrai qu'il me conseille, et il est vrai que nous avons entre nous, ce sont ses termes à lui, un accord qui nous est propre. C'est-à-dire qu'il valide le fait que Minc est intéressé à sa réussite. Est-ce que ça ne surajoute pas un problème au premier. Ouais, ça apporte la démonstration de ce que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire que ce sont des amis qui se servent avec des conflits d'intérêts à tous les étages, qui donnent le sentiment, et même attestent, de ce que les règles ne sont pas respectées et qu'il y a du haut risque pour l'intérêt général. Donc tout cela me paraît justiciable d'un contrôle par des juges qu'il faudra saisir le moment venu. Donc je préfère finalement le dire maintenant pour que le pouvoir soit dûment informé de ce que l'opposition parlementaire veille et fait son travail pour faire respecter l'état de droit dans notre pays, faire en sorte que tous les abus de pouvoir, soient réprimés à leur juste mesure.